Coucou tout le monde, ben voilà, comme promis, je suis de retour dans le sens où je vous avais promis de vous montrer ces fameux blocs de chez Action. Comme dans ma précédente vidéo, je n'ai pas pu vous les montrer car j'en avais acheté 6 et je me suis dit c'est beaucoup trop long pour vous les montrer, en sachant que j'avais fait quelques petits achats chez Action et Nausée. Et ce fameux petit tampon de chez AliExpress. Donc aujourd'hui, je vais vous montrer ces blocs. Alors, on va commencer par celui-ci en noir et blanc. Voilà. Alors, je vous laisse regarder, contempler. Je ne sais pas pour vous, mais en tous les cas, je trouve que les blocs de chez Action... en ce moment, ils sont super beaux. Je les adore. Ils ont les imprimés sont magnifiques. Vraiment. Donc là, vous avez des écritures. Voilà, des animaux. Celui-là, j'aime beaucoup. Le love. Je ne sais pas si vous allez bien voir. Ouais, voilà. Voilà. Les voitures, des feuillages en noir et blanc. C'est très, très joli. Très 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 joli. Des plantes, des triangles, des feuillages, effet un peu marbré. Là c'est sympa aussi. Enfin, une petite carte culinaire, on va dire, entre guillemets. Des pots de confiture et du miel avec sa petite cuillère en bois là. Je trouve ça très très joli. Voilà, les oiseaux. Oh, ça c'est magnifique, ça j'adore. Ça j'aime beaucoup pour un projet couture, je trouve ça magnifique. Ça fait très très mode, très fashion, franchement très très joli. Et puis avec coller dessus, faire une super belle création avec des sentiments en noir, avec le contour en blanc. Je trouve ça très joli pour un projet couture. Vraiment. Je ne sais pas ce que vous en pensez, dites-le moi. Mais très joli. Donc voilà, s'il y a deux pages là identiques, ça veut dire que vous allez voir ce que vous avez vu là, vous allez le voir ici. Et ben voilà, c'est ça. Donc je vous montre quand même ce côté, comme ça. Parce que là, plié comme ça, c'est pas évident à voir. Voilà, donc les plantes, ces fameux donc pots de confiture et de miel, c'est très joli, j'aime beaucoup. Bon, l'effet marbre, vous l'avez vu. Voilà, ils sont bien épais, hein. Le love. Il est très fin, très raffiné, je trouve très très aéré, très joli. Voilà, et ces fameux petites plumes que j'aime beaucoup aussi. Très très joli, vraiment. Donc c'est un bloc, il y a 24 feuilles et 250 grammes. Voilà, voilà. Oui, c'est ça, 24 feuilles. Oui. Et c'est des mesures. Oui, c'est ça. Ensuite, on va passer sur Nature Vintage. Voilà. Hop. Ça m'embête, excusez-moi. Je commence à ranger tous mes dies à leur place parce que ça prend de la place. Donc voilà. Alors. On va commencer par là. Oh, regardez-moi ça, comment c'est joli. Vraiment. Ces couleurs pastel comme ça, le rose, le vert, un peu violine. Vraiment très, très joli. Très beau, très, très beau. Bon, là, c'est des petites, des mouches, des scarabées, des abeilles. Je crois, c'est tellement petit. Voilà. Donc, des feuillages,
fait vraiment très vintage. Hein. J'adore, c'est trop joli ça aussi, un verre comme ça. Avec un verre vieilli, très très joli, vraiment. Ça c'est bien parce qu'on peut s'en servir pour Noël, je trouve. Alors celui-là, franchement, je sais pas, mais je craque dessus. Très très joli, j'adore. En plus ce coin-là pour faire une carte. Là pareil, vous pouvez prendre ce coin-là pour un album. Franchement, il est juste parfait, quoi. Trop joli. J'ai pas de mots. Voilà. Superbe. Donc là, on revient sur le côté, ce côté en fait. Ce qui était là, il revient là. Donc là, comme ça, vous le verrez mieux à plat. Voilà, ça j'aime beaucoup aussi, l'effet déchiré et tout. Avec un petit sentiment dessus, vous le coupez. Franchement, c'est la collection de cette année, je la trouve magnifique. Enfin, les blocs, je les trouve tous magnifiques en tous les cas. Alors, comme je vous ai dit, celui-là, je sais pas, mais j'ai craqué sur celui-là, c'est fou. Voilà les feuillages. Voilà. Allez, regardez avec ce beau petit papillon là. Je craque. Et voilà. Donc là, vous avez des fleurs, des clés, papillons, des feuilles, des fleurs. Franchement, j'adore. Très joli. Donc voilà pour ce bloc. Excusez-moi, celui-là, où là, je ne vous l'avais pas montré. Voilà. Donc nature vintage. Excusez-moi. Ensuite, on va passer. Alors, Sweet Dreams. Toujours pareil, les couleurs que j'adore. Allez, on y va. Voilà. Pourtant, je ne suis pas très rose, très fleur et tout. Mais je les trouve tellement jolies. Les couleurs se marient très, très bien là. Vraiment magnifique. Puis le violet, j'adore. Ce rose aussi, magnifique. Les flèches. Oh là là. Alors ça, ça. Juste, j'ai pas de mots. Hein. Très joli. Je sais pas ce que vous en pensez, dites-le moi. Mais les papillons, petite cage, ouvrez la cage aux oiseaux, magnifique, oh là là, les petits pans, c'est trop mignon, j'adore, je deviens gaga quand je vois tout ça, je suis très fan, les clés, vous l'avez en violet, des tout petits clés aussi. Trop joli. Alors c'est ça. Ça j'adore. Ça c'est mon chouchou ça. J'adore. Papillon. Papillon. Oh là là, mon Dieu. Donc voilà, les clés en violet. On repart ces fameuses flèches, pardon. Ensuite, des petits papillons, des flèches, en plus fin, plus raffiné, plus petit. Des clés aussi, tout petit. Des cadenas et des clés. On voit peut-être pas très bien, mais voilà, je vous enlève un petit peu. C'est trop beau, mais j'adore. Oh là là, les petits bonbons, maman. Alors ça, c'est trop beau. Dans les cages, on les a vus. Des papillons. Et puis ça, alors. Je
Je sais pas ce que vous en pensez, mais franchement, je suis fan, fan, fan des papillons. Des clés. Voilà pour Sweet Dreams. Pour la collection Sweet Dreams. Ensuite, on va passer à la collection Lovely. Voilà. Alors, cette collection, j'adore, mais par contre, je crois que il n'y aura pas tout là. Parce que je sais que j'ai pris. Excusez-moi, attendez. J'en ai pris deux comme ça. Donc, je vais prendre le plus gros. Parce que comme je suis en train de préparer mon départ, j'ai pris quelques feuilles pour mettre dans mon petit roller caddie, là, les petits rollers caddie. J'en ai pris quelques-uns. Donc voilà, en fait on avait pris deux de cette collection, donc c'est pour ça que ça m'en faisait 6. Donc là je vous en montre que 5 en final, puisque le 6e c'est le même. Donc voilà. Et l'autre, j'en ai pris, donc fallait que pour préparer mon départ, pour faire mes petites créas en vacances, voilà. Allez, on recommence, on y va. Voilà. Hop, des petits pois. Des petits cœurs. Oh là là, qu'est-ce que c'est beau ça. Sur le thème de la mer et tout, on peut faire. Je crois que ouais, je l'ai pris aussi celui-là pour faire mes créas en vacances. Ouais. Oh là, celui-là, je l'adore. Je commence trop. Vous allez me prendre pour une folle. Hein. Mais non, je ne suis pas folle. C'est juste que je suis gaga. J'adore. Regardez ce mélange de petits pois aussi avec ça. C'est très joli. Regardez. Donc là, vous allez voir ce que vous n'avez pas vu de l'autre côté. Voilà. Trop beau, vraiment. Ça fait un peu aquarelle, hein, je trouve. Très joli. J'ai des idées qui me viennent là, c'est fou. Très très joli. Voilà pour donc le Lovely et une autre collection vintage. Avec du foil à l'intérieur. Alors, hop. Regardez comment c'est joli. Ça fait très vintage, effectivement. Alors, donc là, il y en a deux, pareil. Donc là, en vert, avec du foil. Donc, vous avez le même, mais sans. Ça c'est joli parce qu'ils sont plus fins. J'avais un bloc où c'était plus large. Là vraiment très très fin. Je l'aime bien celui-là. Très bien, il y en a deux. Regardez avec ce côté brillant comme ça. C'est juste magnifique. Hein. Oh là là. Là vous l'avez sans brillant. Là non. Voilà. C'est trop trop joli. J'étais peut-être un peu vite là, excusez-moi. Avec des écritures effets brillants aussi. Je sais pas, mais en tous les cas, je les trouve très jolis, moi, ces blocs. Oups.
Oh là là, regardez, est-ce qu'ils en ont mis deux? Même pas. Oh, déçu. Oh, dégoûté. Regardez. C'est trop joli, non? J'adore. Donc voilà pour ces fameux blocs de chez Action que je voulais vraiment vous le faire partager. J'ai aussi, j'avais, vous vous rappelez, je vous avais dit que j'avais commandé des dies de chez AliExpress, notre oncle ou tonton Ali, comme on peut dire. Et bah, je vous avais dit que j'avais commandé pendant le confinement et avant le confinement aussi des dies. Donc là, en ce moment, c'est tous les 2-3 jours, je reçois des dies. Donc ces dies-là, je les avais commandés. Donc là, je les ai fait en découpe parce que ces dies, je les ai mis dans ma petite valise, mon roller. Parce que j'avais fait des photos de la fête des mères et des pères. Et je les avais commandés avant pour faire des cartes pour la fête des mères et des pères. Mais bon, malheureusement, je les ai pas reçues. Mais j'ai des tampons, j'avais plein de choses. Hein, donc j'en ai fait quand même. Mais bon. Et donc j'ai fait la découpe et je vais vous montrer vite fait. Je vais prendre une feuille. Voilà, j'ai fait des découpes comme ça. Donc j'avais pris maman. Est-ce que c'est drôle? Oui, maman. Et il coupe très très bien. Il n'était pas excessif en plus. Papa. Voilà. Et bonne fête. Voilà. Superbe découpe en tous les cas. Très très bien. Donc voilà, je les ai reçus ce matin. Ce matin. Bon, peut-être c'était hier, hein, parce que le facteur n'avait pas passé encore là. Et donc j'y suis allée ce matin ouvrir ma boîte et j'ai trouvé ça. Donc j'ai fait vite fait les découpes pour vous montrer. Voilà ce que j'ai reçu. Il me reste encore plein d'ice. Je pars vendredi en vacances. Donc je tenais à vous le dire. Je ferai quelques vidéos en vacances pour vous faire des petits coucou. Et en même temps vous montrer des créations que j'aurais fait. Que j'aurais fait là-bas. Et vous faire partager un petit peu le soleil. La mer, si tout se passe bien, bien sûr. Et vous montrer quelques tutos aussi, faire des tutos. Et j'ai hâte de vous retrouver très vite. En tous les cas, je vous fais de gros gros bisous. Je vous embrasse. Je remercie tous mes abonnés. Je remercie tous mes abonnés qui sont abonnés à moi. Et j'espère que je vous ai fait plaisir pour tous ces hauls. Et honnêtement, je vous adore, je vous aime et je vous fais plein de gros bisous. Et je vous dis à très vite. Et surtout, surtout, prenez soin de vous. Voilà. Je vous embrasse. Ciao, ciao. James Crab vous fait plein de gros bisous.